Good morning, allez, Yidan, les tuyaux aujourd'hui, les Lunishmat, Avram, Khaïn, Orber, Ben Fortune, Mazel, Antrami, Menroza, Yedida, Bet Esther. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhat et Ukrin, Perek He, Mishnah Gimel, Chatsi, Erki, Alaï, Noten, Chatsi, Erko. Erech, Chatsi, Alaï, Noten, Erech, Kolo. Chatsi, Damai, Alaï, Noten, Chatsi, Damav, Deme, Chatsi, Alaï, Noten, Deme, Kolo. Zéaklal, d'avoir chez Neshamat, Loya, Bo, Noten, Erech, Kolo. Mishnah Gimel qui continue la Mishnah Bet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traduire, expliquer ponctuellement sur la Mishnah, et puis après rappeler un petit peu les données avec la Mishnah Bet, et conclure, expliquer un petit peu toute la halakhot. Pour le moment, on traduit. Chatsi erki alai. Je fais le vœu de donner la moitié de ma valeur. On est avec le mot de erer, les arachim, les valeurs estimées par la Torah qui va fixer des prix fixes, lorsqu'on dit des arachim. Et donc il va falloir, je suis un homme de plus de 20 ans jusqu'à 60 ans, donc je coûte 50 pièces d'or, 50 pièces d'argent. Eh bien, si j'ai dit que j'allais faire le vœu de donner la moitié de ma valeur, donc je vais devoir donner combien? 25. C'est ce que la Mishnah enseigne, Noten Chatsi Erko, il devra donner la moitié de sa valeur. Par contre, s'il a dit Erech Chatsi Alai, je vais donner la valeur de ma moitié, pas la moitié de ma valeur, mais la valeur de ma moitié. Vous entendez la différence ou pas? Il y a une différence essentielle, je vais vous expliquer, c'est très simple. Mais pour le moment, s'il a dit qu'il veut donner la valeur de sa moitié, alors là, Mishnah me dit, non, tu devras donner une noten erer kolo, tu devras donner toute ta valeur. On va prendre un exemple simple. Une montre, voilà, on a une belle montre, très sympathique, Tissot, ça coûte 1000 shekels. Je peux faire le vœu de donner la moitié, de donner la valeur de la moitié de ma montre. Alors dans ce cas-là, on a dit qu'elle coûte 1000 shekels, je vais donner... La moitié de la valeur de ma montre. La moitié de la valeur de ma montre, ça signifie que la valeur de ma montre, c'est 1000. Et ben on va faire la moitié, c'est 500. Pour le moment, c'est bien. Mais si je vais faire le vœu de donner la valeur de la moitié de ma montre, vous entendez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez prendre ma montre, vous allez la casser en deux, soit à l'horizontale, à la verticale, comme vous voulez, et ce qui va vous rester, vous allez donner la valeur de ce que c'est. Ça vaut quoi ce qui vous reste? Franchement, une demi-montre, ça coûte peut-être éventuellement pour le revendre au poids des métaux, quoi. Quelques canettes de cola, de coca, un peu. Ouais, pas plus, quoi. Ça, un poids de fer, de la ferraille. Ça coûte plus rien. Vous entendez, c'est quoi la différence de donner la moitié d'une valeur ou la valeur de la moitié? Donner la valeur de la moitié d'une chose, la valeur de la moitié d'une chose, c'est-à-dire que vous prenez la chose, vous la cassez en deux, et vous donnez la valeur de ce qui reste. En général, ça ne va plus rien valoir. Ça, c'est pour ce qui se passe en général. Pour les arachines, maintenant, c'est là où ça intervient, avec la notion qu'on avait déjà prise dans la mission précédente, c'est que si tu as donné tu as voulu donner la valeur de même un seul membre, en fait, c'est ce que la fin de la Mishnah va m'inclure, même donner un membre essentiel, un membre vital, que si on prenait ce membre, eh bien, l'homme mourrait. Eh bien, dans ce cas-là, le fait de faire le vœu de donner cette valeur, alors va imposer de payer la valeur entière de l'homme. Ouais, c'était, on avait parlé du cœur, c'est explicite, que si jamais on avait vu, si je veux faire la différence entre donner un pied ou une main, il fallait calculer la valeur ou non, ou peut-être rien donner dans les arachines, mais si je voulais faire erer roshi, erer kevedi, si je donnais la valeur de ma tête ou la valeur de mon foie, dans ce cas-là, ce sont des membres vitaux, alors dans ce cas-là, puisque si on retire ce membre, l'homme mourrait. Dans ce cas-là, la valeur en tire le RR de tout le membre, ça, c'est comme la valeur de l'homme. De ce fait, la moitié d'un homme, si on coupe un homme en deux, il meurt. Ouais, je vous laisse imaginer, quoi. Même si on supprimait les bras et qu'il pourrait encore vivre sans bras, et les pieds, car apparemment, j'imagine qu'on n'a pas encore la majorité. Dès qu'on atteint d'accord, donc finalement, un homme ne peut pas vivre à moitié. De ce fait, lorsque tu fais le vœu de donner la valeur de la moitié d'un homme, donc c'est un homme qui va finalement mourir, donc la moitié vaut comme le tout, donc tu devras donner toute la valeur de l'homme. C'est ce que la Mishnah m'enseigne, donc je reprends dans les mots maintenant. Khatir ki alai, je fais le vœu de donner la moitié de ma valeur, donc la moitié de ce que je vaux 50, je donne la moitié 25. Notan khatir ko, je devrais donner la moitié de ma valeur. Par contre, erer khatsi alai, la valeur de ma moitié, alors, notan erer kolo, devra donner la valeur intégrale. Et on continue à présent avec les Nedarim. S'il a dit Chatsi Damai Alai, on n'est plus maintenant dans le sujet. Vous rappelez, il y a les Arachim et les Nedarim. Arachim, c'est la valeur estimée, fixée par la Torah, c'est le barème fixe.
J'imagine que c'est qu'il y a une conscience plus spirituelle dans ça, par rapport à ce que l'être humain, ce qu'il vaut, plus que le poids à la chair et la capacité de produire des travaux. Et lorsqu'on fait un néder, par contre, qui n'est pas un RR, on fait le vœu de donner sa valeur marchande, alors là, on s'intéresse au marché des esclaves. Et le principe sera le même, à la différence de la Mishnah précédente. C'est ce qu'on va expliquer ensuite, à comparer de quoi on parle exactement. Mais Khatsi Damay Alay, je fais le vœu de donner la moitié de ma valeur. Donc moi, au marché des esclaves, je coûte 1 000 000. La moitié de ma valeur, je vais donner 500 000. Khatsi Damay, la moitié de ma valeur sur moi, je m'engage à la porter. Noten Khatsi Damay, je vais devoir donner la moitié de sa valeur. Par contre, Dmei Khatsi Alay, si je veux donner la valeur de ma moitié, alors la valeur de ma moitié, de nouveau, si on supprimait la moitié, il mourrait entièrement. Donc, donc cette moitié-là représente toute la valeur de l'homme. Dans ce cas-là, Noten Dmei Khatsi Alay devra donner la valeur intégrale de l'homme. Et la Mishnah conclut en me disant, Ze Aklal, telle est la généralité, Davar Shanishama Teluyabo, Noten Erech Khatsi Alay. Une chose pour laquelle la Neshama, la vitalité, dépend, un membre, donc un membre vital, si tu as fait le vœu de le donner, eh bien Noten Erech Khatsi Alay, tu devras le donner la valeur de toute la personne, de tout l'être humain. D'accord ? Donc le principe, en fait, il est là. C'est explicite tout ça, c'est déduit dans les Alachot des Arachin. C'était Nader Berkecha Nefashot. Berkecha Nefashot, c'était déduit depuis la Mishnah. Erech Nefashot. Bon, on t'apprend que lorsque tu veux donner la valeur de l'être humain, eh bien, c'est explicité pour les Arachin. Tu vas donner la valeur qu'il y a d'un membre dont la neshama dépend de lui, dans ce cas-là, tu devras tout donner. Du fait que la Torah exprimait Neder Be'erkecha Nefashot, elle utilise le mot Neder aussi, donc de là j'apprends, je juxtapose les Nedarim au Arachin, pour te dire que chaque fois que tu vas vouloir faire le don d'un membre vital, eh bien, ça va être toute la valeur de l'homme qui va y passer. Il va falloir donner toute la valeur de l'homme, parce que si on supprimait ça, l'homme ne vaudrait rien, donc ça représente le tout. Voilà pour la Mishnah, non, petite comparaison quand même. Juste, histoire de synthétiser Bet Gimel, il y a une petite halakha originale qui sort. Il ressort comme ça en fait, que lorsque je veux donner la valeur de ma main, alors la main, en RR, je donne rien, parce que si on m'amputait la main, l'homme continuerait à vivre. Mais s'il a voulu donner la valeur marchande de l'homme en disant « Demei Yadi », il devra la donner, comme ce qu'on apprenait dans la mission précédente. Ça, c'est donc pour les Nédarim, apparemment, on est un peu plus large, on te dit de calculer la valeur marchande des choses, de chaque membre indépendamment. Mais si toutefois il va vouloir donner un membre qui est vital, alors là, dans ce cas-là, on va prendre des halachot, des arachin, où justement on va dire qu'il va devoir donner toute la valeur de l'être humain. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste que j'en ai plein de la slacha koltou, c'est là.